Merci d'être là et je suis très content de prendre la parole. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que je suis habitué à qu'on me pose des questions et je donne des réponses. Et au cimetière de la pellicule, c'est mon premier long métrage documentaire. Donc le travail il a commencé réellement en 2016. À partir d'une résidence d'écriture au niveau de Bobo-Dioulasso au Burkina. De cette résidence, je suis remonté à celui du Sénégal pour le présenter à un parterre de producteurs, de diffuseurs et de distributeurs. Donc je suis reparti avec deux maisons de production qui m'ont permis déjà en 2017, pendant toute l'année 2017, on était sur un travail d'écriture et de réécriture qui nous a permis de toucher quelques fonds tels que Brouillon des rêves de la SCAM. À partir de ça, on a évolué en développement qui nous a permis aussi de trouver des sous au niveau de la région du centre en France. Et ainsi de suite, on a trouvé de l'argent pour la production. On a tourné en 2020. On est resté bloqué pendant une année. On a continué à tourner en 2021. On a fait la post-prod entre 2021 et fin 2022. Hyper compliqué parfois parce que surtout au niveau de la post-prod, on avait déjà fini de tourner, il manquait de l'argent qu'il faut aller chercher, qu'on a trouvé parfois difficilement, qu'on a trouvé. Mais en gros, ça a permis quand même au projet en termes de post-prod à participer à des labs tels que le JCC, TACMIL, tels que le Red Sea Fund au niveau d'un workshop, après le Final Cut de Venise qui a permis au film de prendre des prix tels que à Guida, on a eu un prix qui nous permettait de fabriquer le DCP. Le DCP, c'est l'élément qu'on utilise aujourd'hui pour projeter les films au niveau d'une salle de cinéma. Et au niveau du Final Cut de Venise, on est réparti avec des prix comme le prix de l'Institut français qui achète des droits pour le diffuser dans tout ce qui est Institut français dans le monde. Il y a eu le prix de Ayon Film qui nous permettait de faire la promotion. Il y a eu le prix du Festival international du film d'Amiens. Et aussi, il y a eu le, je sais pas, c'était le nombre de, le prix de l'OIF. Donc, mais au même moment, ça, on avait des contacts depuis 2021. Avec les programmateurs au niveau du Festival international du film de Berlin, qui avaient découvert le film lors du Venice Financing Gap. Donc c'est un niveau de développement du projet aussi. Et voilà, on a envoyé le film, il n'était pas fini. Il n'y avait pas de mix, il n'y avait pas de montation, il n'y avait pas d'étalonnage. Heureusement pour nous, le film a été retenu pour faire sa première mondiale au niveau du Festival international du film de Berlin, dans la section qu'on appelle Panorama Document. Donc de Berlin, on est reparti au FESPACO. Du FESPACO, ça a été Hot Doc. Hot Doc, c'est l'un des plus grands ou le plus grand festival de cinéma documentaire en Amérique du Nord. Et voilà, là je reviens de Tarifa et de celui. Le film, on va faire une avant-première en Guinée le 27 et 28 juin, ici même au Centre culturel franco-guinéen. Juste une semaine après, on va faire une sortie française. Donc on fera une avant-première à La Rochelle, après ça sera une sortie du film au niveau des salles de cinéma. Donc en gros, jusque-là, depuis que le film est sorti à Berlin, il est réparti avec le prix du public, troisième prix du public à Berlin, mention spéciale du jury au FESPACO, et prix de la coopération espagnole à Tarifa et mention spéciale du jury à Tarifa. Donc en gros, c'est ça le film.